Moment. Prends toute la place, Jésus. Nos cœurs, Seigneur, sont disposés à t'adorer. Nos cœurs sont disposés à t'élever. Et c'est toi que nous voulons en ce moment. Règne, Seigneur. Règne par ta présence, Jésus. Je viens pour adorer Jésus. Jésus, Jésus, je viens pour élever Jésus, Jésus, oh, je viens pour honorer Jésus, Jésus, je viens pour honorer. Tombolaye, Yesu, Yesu, Toye kotombola, Yesu, Yesu, Dali awa, Yezali awa, Nabokozi. Yahweh Zali
ta sainte présence au milieu de nous, Seigneur, ce matin. Nous croyons en ta sainte présence conformément à ta parole qui nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous. Nous le croyons, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là. Nous croyons, Seigneur, que tu établis ton trône, Seigneur, au milieu de cette louange. Nous croyons, Seigneur, que tu établis ton trône, Seigneur, au milieu de l'adoration de ton peuple, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur. Nous voulons te laisser toute la place, mais nous voulons aussi venir promptement, venir, Seigneur, de tout cœur, à répondre à ta sainte convocation ce matin. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que mes bien-aimés partout où ils se trouvent, Seigneur, qui sont en train d'élever ton nom ce matin, Seigneur, qu'ils soient corps, âme et esprit complètement connectés à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être tout notre, que tout notre être tout entier, Seigneur, soit connecté à toi ce matin. Seigneur, que nous ne puissions pas manquer une seule portion de ce moment. Parce que nous croyons, Seigneur, que tu as une volonté pour chaque instant. Et merci pour ton amour, merci pour ta présence, Seigneur, palpable, Seigneur, ce matin. Visite, Seigneur, chaque foyer, Seigneur, qui est venu devant toi, Seigneur. Et ouvre-nous l'accès, Seigneur, au lieu saint, au lieu très saint, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, nous voulons venir ce matin, humblement, humblement, reconnaissant, Seigneur, que nous ne sommes dignes de rien, mais que c'est ta grâce qui nous accepte, Seigneur, c'est ta grâce qui nous agrée dans ta sainte présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et je ramène au nom de Jésus-Christ toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Seigneur, je me lève, Seigneur, contre tout esprit de distraction. Tout ce qui pourrait nous empêcher, nous faire manquer, Seigneur, un seul instant, Seigneur. Je me lève, Seigneur, contre tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Christ ce matin. Alléluia, Seigneur. Que tout te soit soumis. Que tout te soit soumis. Que toute pensée soit tournée vers toi. Alléluia, Seigneur, que nos prières s'élèvent vers toi ce matin, Seigneur. Que nos chants s'élèvent vers toi, Seigneur. Que toute notre attention soit posée sur ta personne. Toi seul digne, tu es présent. Merci, Seigneur. Glorifie-toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus ce matin, peuple de Dieu. Dans la sainte présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous invite à sa table aujourd'hui. Il nous invite à venir et à communier avec lui. Il nous invite aujourd'hui à apporter nos célébrations. Bien-aimés, j'espère que là où tu es, ton cœur est prêt à célébrer le Seigneur. Là où tu es, ton cœur est prêt à adorer le Seigneur. Si ce n'est pas encore le cas, je t'invite maintenant à prier et à demander, Seigneur, mets en moi les pensées qui sont les tiennes. Mets en moi les pensées qui sont les tiennes. Je veux maintenant, bien-aimé, là où tu es, mets-toi, comme il est dit dans la parole, entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi dans cette intimité avec le Seigneur et invoque le Dieu de gloire ce matin. Nous allons lire dans sa parole qui va nous conduire, sa parole qui va nous aider à entrer vraiment dans ce moment de louange et de célébration. Nous lisons le psaume 92 et pour ceux qui sont français, nous lisons le psaume 92. Nous lisons au nom du Seigneur, psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté, alléluia, c'est ce que nous sommes venus faire, annoncer la bonté de l'Éternel et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis, Seigneur, par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une bulle fraîche. Alléluia. Est-ce que vous avez été arrosé ce matin déjà? Le Seigneur nous arrose d'une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier.
Il s'élève comme le cèdre du Liban, planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Alléluia. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Là où vous êtes, que vous disiez amen maintenant à cette parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a cette promesse qui nous dit, même dans ta vieillesse, tu vas porter du fruit. Même lorsque tes muscles sont fatigués, même lorsque les circonstances ne se prêtent pas, mais quand tu demeures dans la présence de l'Éternel, le Seigneur te renouvelle les forces et tu puises en lui cette sève qui te donne une énergie que la vie ne peut pas te donner. Il n'y a que lui qui peut te donner cette énergie-là. Alors maintenant, utilise cette énergie pour dire, oui Seigneur, je veux que tu règnes en moi. Je veux que tu viennes, que tu règnes dans ma vie, parce qu'en tout temps je veux être connecté à toi pour puiser ta sève et être rempli, être verdoyant et être rayonnant de joie. Louons l'Éternel, célébrons le Seigneur. Avec joie, alléluia. Le Dieu de victoire.
amour nous remplit. Jésus, Jésus. Tu nous libères, Jésus, ta mort pour la vie. Christ nous a franchis, alléluia. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de vie. Tu élèves ta voix, acclame le Seigneur, pousse des cris de joie, écris Amen, pousse des Amen à notre Seigneur, le digne de gloire, le digne de gloire, le digne de louange, le digne de célébration, le digne d'honneur, le digne de toute la gloire, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, alléluia. Seigneur, tu es élevé ce matin, Seigneur, tu es élevé en tout temps, Seigneur. Oh yes. Yes, Seigneur, nous t'élevons notre Dieu, nous t'élevons notre Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur, viens nous purifier, viens nous laver, viens nous transformer, Seigneur, nous voulons entrer dans le lieu saint, Seigneur. Nous voulons entrer dans ta présence, nous voulons entrer dans le Saint des Saints, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, nous t'invitons à venir encore, à venir, Seigneur, demeurer dans nos cœurs ce matin. Alléluia, bien-aimé, sache qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut se mettre comme obstacle, qui peut se mettre comme entrave à ce que tu puisses accéder à la présence de Dieu, c'est le péché. Et si le péché t'est rappelé constamment en ce moment où tu es censé être en train de louer, d'adorer le Seigneur, repens-toi simplement parce que le Seigneur ne te condamne pas. Il ne te juge pas encore. Aujourd'hui, tu as encore la chance. Repends-toi simplement devant le Seigneur et entre dans sa présence. N'écoute plus le mensonge du diable qui est en train de te rappeler, ces choses et qui t'empêche de louer et d'adorer ton Dieu. Mais maintenant, entre pleinement dans la présence de Dieu. Prends conscience de qui est le Seigneur. Prends conscience de qui il est et commence à l'adorer. Commence à l'élever. Et les chants qui vont être entonnés sont là pour t'aider. Mais entre dans la présence de Dieu.
Ne sois pas en train de regarder un spectacle, mais là où tu es, adore le Seigneur. Élève le Seigneur, il est digne de gloire. Alléluia. Yes. Tu fascinais la terre.
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur, d'être élevé, 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 élevé. C'est ta gloire que nous chantons ce matin, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul, Seigneur, est digne. Alléluia, alléluia. Que les voix des bien-aimés s'élèvent. Que les voix dans le peuple de Dieu s'élèvent pour magnifier le seul digne, pour honorer le seul digne, le parfait, le Saint d'Israël. Alléluia. La pierre angulaire, le chemin, la vérité et la vie, le pain de vie, le prince de paix, le roi de gloire, l'étoile brillante du matin. Alléluia. Celui qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Nous voulons encore élever ton salon. Toi le Dieu très digne de louange. Toi le Dieu très digne de toute l'adoration, Seigneur. Toi qui nous rends libres dans ta présence. Toi qui nous libères, l'Éternel. Toi qui nous délivres de toutes nos craintes. Toi qui nous délivres de toutes nos peurs. Alléluia. Toi qui nous appelle à toi. Alléluia. Toi qui es le chemin tracé vers Dieu. Nous voulons encore honorer ta sainte présence ce matin. Alléluia. Merci à toi qui as payé le prix. Alléluia. L'ultime prix. Alléluia. Tu as donné ta vie. Comment ne pas t'élever, Jésus? Toi le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Alléluia. Yahoua, Moshata. C'est toi, Jésus. Alléluia. Le roi de gloire, Seigneur. C'est toi, alléluia. Pourtant tu t'es humilié en venant sur cette terre et tu es descendu jusque dans le séjour des morts. Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'est élevé. Nous t'invitons dans nos maisons. Nous t'invitons. Alléluia. Chante le mot. Viens, 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 Seigneur, viens. Viens. Alléluia. Yes. Merci pour la liberté que tu nous donnes, Jésus. Alléluia. 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 Tu es bon. Tu es bon. Le psalmiste a dit quelque chose. Il a dit, alors qu'il était en train de méditer sur la réussite du méchant, à un moment il dit, quand je suis entré, c'est quand je suis entré dans ton temple, quand je suis entré dans ton palais, c'est là qu'il a tout compris. C'est là qu'il a reçu la révélation. Et c'est comme ça que dans le psaume que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons quelqu'un qui dit que mon oreille entend les méchants, entend, se plaît même à entendre mes méchants adversaires. Quand les gens se dressent contre nous, mais lorsque nous, nous sommes cachés dans le Seigneur, lorsque nous trouvons notre trésor dans le Seigneur, lorsque nous faisons du Seigneur notre joie, lorsque nous désirons pleinement sa présence, nous ne sommes pas distraits. Nous ne sommes pas distraits. Alors bien-aimé, je t'invite maintenant à entrer dans le palais du Seigneur, à entrer dans la présence du Seigneur, à dire comme le bien-aimé dans la Bible, le psalmiste disait, une chose que je désire ardemment, une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie dans ta maison. Invite le Seigneur, invite le Seigneur pour que tu sois tous les jours à plein temps, pleinement dans sa présence et reçois la révélation sur ta vie. Reçois la révélation sur les promesses qu'il t'a faites que tu n'as pas comprises. Reçois la révélation sur les mystères de ce monde dans son palais, dans sa présence, dans son temple, là où il t'invite. C'est toi qui es resté à l'extérieur. Le Seigneur t'invite maintenant. Entre, 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 entre dans sa présence. Il t'invite maintenant. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Je parle à quelqu'un. Entre dans sa présence. Tu es bloqué devant la porte parce que tes pensées sont toujours les mêmes, toujours des pensées négatives. Entre dans sa présence maintenant, je t'invite, entre dans sa présence. Alléluia. Il entend ta voix, il se soucie de toi, il se préoccupe de ta situation. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Je parle à quelqu'un, il ne t'a pas oublié. Il se soucie de toi. Il connaît ton problème, il connaît ta peine, il connaît tes attentes, il connaît tes préoccupations. Et le chant que nous avons interprété dit que du haut de son palais, il a entendu
Il te connaît, il se soucie de toi. Je rappelle encore, il se soucie de toi. Aujourd'hui, ta part, adore-le, adore-le. Oublie tout ce qui est derrière, porte-toi vers l'avant. Oublie tout ce qui est passé, oublie les événements passés, porte-toi vers l'avant. Porte-toi vers l'avant, tourne tes yeux vers le Seigneur et sois rayonnant de gloire. Tourne tes yeux vers le Seigneur, tourne tes yeux vers le Seigneur. Oui, ça a duré longtemps, oui, ça a duré longtemps. Mais aujourd'hui, il te dit, tourne tes regards vers moi, tourne tes regards vers moi, te dit le Seigneur, tourne tes regards vers moi. Ne désespère pas, parce que je te connais, parce que je t'appelle, parce que je t'invite. Alléluia. Adore le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Du haut de ton palais, tu as entendu ma voix. De la fosse, tu m'as retiré. Sur le roc, tu m'as dressé. Mes pas sont affermis. Et je chante un chant nouveau. De sainteté, ta grâce est là, merci pour ta ton grâce. Amour, je le ressens. Amen, 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 amen. Ta puissance libérée sur ceux qui t'aiment. Ton rêve, alléluia, pour l'éternité. Ton rêve.
L'amour du Seigneur. Seigneur, nous proclamons que ton nom est merveilleux, ton nom est parfait, Seigneur, ton nom est tout puissant, ton nom qui change tout, le nom de Jésus, le nom qui influence le cours de l'histoire. Seigneur Jésus-Christ, tu es au centre de toutes choses. Ta grâce est là, Seigneur, nous la recevons, Seigneur, nous savons. Nous sommes conscients, Seigneur, que ce matin, nous pouvons nous tenir devant toi simplement par ta grâce. Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, de ton amour infini qui t'a poussé, qui t'a conduit jusqu'à la croix. Seigneur, comme l'a dit ton enfant, ce ne sont pas les clous qui t'ont retenu à la croix, Seigneur, mais c'est l'amour que tu avais pour moi. Alléluia. Je te bénis, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. La fraternité te bénit, Seigneur. Tes enfants t'élèvent, Seigneur. Entends, Seigneur, les prières de ceux qui se consacrent à toi. Entends les prières de ceux qui invoquent ton nom. Entends, Seigneur, l'expression du cœur, Seigneur, de tes enfants. À qui ont reçu la révélation de qui tu es, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que nous adorons le Seigneur répand sa paix. Alors que tu l'adores, le Seigneur te donne sa paix. Alors que tu adores le Seigneur, il te remplit de son assurance. Alors que tu adores le Seigneur, il te remplit de confiance. Et il renouvelle en toi la foi, celle qui déplace les montagnes. Alléluia, alléluia. Et c'est ce glorieux et merveilleux Seigneur que nous élevons ce matin. Alléluia. C'est vers toi, Seigneur, que nos cœurs s'épanchent, Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, que vont nos pensées. Bien-aimé, toi qui es à la maison, je t'invite, n'hésite pas, écris ta prière, puisque tu ne peux pas la faire à haute voix, là où, peut-être là où tu es. Écris ta prière, écris ton adoration. Fais monter un Alléluia au Seigneur, ce qui veut dire louer Dieu, louer l'Éternel. Écris une prière à Dieu, écris-lui un poème, une phrase, un mot. Mais dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Je te parle, bien-aimé, si tu es distrait en ce moment, là où tu es, parce que les préoccupations autour de toi t'empêchent de te mettre pleinement devant Dieu. Je t'invite maintenant à t'asseoir. Je t'invite maintenant à te concentrer sur la personne de Dieu. Il a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à faire en toi. Il a quelque chose qu'il veut faire en toi. Concentre-toi maintenant. Écoute-le. Ferme. Jésus, Jésus. Jésus, 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 oui, Jésus, 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 Jésus,
t'adorons. Oui, élevé, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons. Oh Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Seigneur, ton nom est élevé ce matin, alléluia. Entends, Seigneur, le chant de nos cœurs ce matin. Entends le chant de nos cœurs. Entends le chant de nos cœurs, Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Alléluia. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin en plein milieu du désert. Tu traces un chemin en plein milieu du désert, Seigneur. Tu traces un chemin en plein milieu du désert. Alléluia. Alléluia. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur. Écris ta prière. Chante-la là où tu es. Écris ta prière. Fais une déclaration d'amour à ton Dieu, celui qui change tout, celui qui a tout changé dans ta vie. Oh, le chant dit, nous étions tous errants. Nous étions tous errants comme des brebis sans berger. Alléluia. Perdus au fond de nos misères. Est-ce que tu te rappelles la misère dans laquelle le Seigneur t'a trouvé? Si tu t'en souviens et que tu te rappelles ce que le Seigneur a fait, alors... dis-lui une prière, dis-lui une prière. Merci Seigneur pour tes enfants qui te prient en ce moment. Merci Seigneur pour tes enfants qui t'adorent en ce moment. Merci Seigneur parce que c'est ton esprit qui dépose ces prières. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vers le Seigneur et sois rayonnant de gloire. Sois transfiguré, sois transformé dans la présence du Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Je nous invite maintenant, nous allons chanter ce merveilleux Seigneur. Je t'invite, bien-aimé, à peser chaque mot, chaque fois que tu dis merveilleux. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu es une merveille. Tu es mon trésor. Et la parole de Dieu te dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, alors ton cœur est en Dieu. Et si tu as ton cœur dans le Seigneur, dans ce merveilleux Seigneur, alléluia. Il est impossible que quelqu'un s'approche de Dieu et qu'il ne se passe pas des choses lorsque tu t'es approché de Dieu. Impossible que tu t'approches de Dieu et que le Seigneur ne te change pas. Seigneur, fais encore ce matin, Seigneur. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur, merveilleux Sauveur, merveilleux Sauveur, nous t'aimons. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur,
t'adorons, oui nous t'adorons Seigneur des Seigneurs. Nous t'adorons, et nous t'adorons, nous t'adorons, et oui, nous t'adorons, nous t'adorons, merveilleux Seigneur. Ensemble, élevons la voix tous ensemble et encensons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur et poussons vers lui les cris de joie. Et poussons vers lui les cris de joie. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur notre Dieu, gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Jésus, alléluia. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur, toi qui nous fais ce privilège de pouvoir nous approcher de toi ce matin. Seigneur, tu nous as invités jusque dans le lieu très saint, Seigneur, pour que nous puissions communier avec toi, Seigneur. Nous croyons que tu as pardonné notre péché. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as lavés de toute iniquité. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as fortifiés, renouvelés. Tu fais de nous tes enfants, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as entendu nos prières qui sont montées vers toi. Et encore les prières qui montent encore en ce moment vers toi, Seigneur. Tu les entends, tu les exauces, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tes anges sont déjà envoyés en mission, Seigneur, pour apporter tes nombreuses grâces que tu déverses sur nos vies. Seigneur, que ce moment, Seigneur, soit scellé dans le sang de Jésus-Christ. Et Père, nous voulons maintenant venir à ta table, Seigneur, afin de manger ce que tu veux nous donner comme nourriture, hein, ce que tu as prévu comme repas pour nous ce matin. Seigneur, laisse que ta parole soit proclamée. Que ta parole soit cette lampe à nos pieds et cette lumière sur notre sentier. Que ta parole nous transforme. Que ta parole nous donne la capacité, Seigneur, de faire ce que nous n'avons pas réussi à faire jusqu'à présent. Que ta parole nous rende comme toi, Seigneur. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, et je crois en l'onction que tu as déposée sur ton serviteur en ce jour, afin qu'il puisse parler de ta part. Seigneur, nous recevons de toi ce que tu veux nous donner. Je me lève encore une fois, Seigneur, maintenant, contre tout esprit de vol de ta parole. Tout ce qui se lève, Seigneur, dans les entités spirituelles, nous les balayons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bénédiction que tu envoies, Seigneur, qu'elle atteigne chacun de tes enfants. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs soient transformés. Que les cœurs de pierre soient transformés, soient changés en cœurs de chair au nom puissant de Jésus. Seigneur, que nos résistances tombent. Que nos forteresses de pensée tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos tristesses soient changées en allégresse. Que nos lamentations soient changées en chants de louange. Merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Nous la recevons maintenant par le biais de ton serviteur que tu envoies aujourd'hui dans le saint et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour recevoir sa parole. Et sans plus tarder, je vais inviter le serviteur de Dieu qui va nous édifier aujourd'hui, l'évangéliste Hébéré.
qui va nous parler de la part du Seigneur. Là où tu es, prends de quoi noter, prends ta Bible, assis-toi, installe-toi et mange le repas du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes ici à l'église, vous qui êtes assis confortablement dans vos maisons, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore de venir dans sa présence. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu bon. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'apporter, d'annoncer sa parole à son peuple. J'honore le leadership de cette église. Je remercie le pasteur Siméon, maman pasteur, les pasteurs de l'église, pour cet honneur qu'ils me font encore d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs en Christ, j'ai toujours l'habitude de dire que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu merveilleux. Que Dieu n'oublie jamais les bonnes œuvres que nous faisons dans sa maison et pour la gloire de son nom. Et que ce Dieu viendra en son temps avec de grandes bénédictions pour la gloire de son saint nom. J'aimerais qu'on chante ce cantique qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. » Vous connaissez? Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Dans le
Amen. Amen. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te loue ce matin pour l'immensité de ta puissance, pour l'immensité de tes bienfaits, pour l'immensité de ta gloire. Tu es un peuple devant toi ce matin pour écouter ta parole. Tu es la parole qui guérit. Tu es la parole qui restaure. Tu es la parole qui édifie. Tu es la parole qui change les temps et les circonstances. Saint-Esprit de Dieu, dispose le cœur de ton peuple. Donne-nous la révélation de ta parole. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. J'apporte la parole de Dieu ce matin. Le thème de mon message s'intitule « L'Éternel Dieu est avec son peuple ». Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 31, versets 6 à 8. Je lis la parole de Dieu. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point. Et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Amen. L'Éternel est avec son peuple. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. L'Éternel ne délaisse jamais son peuple. Je ne sais pas la situation que tu traverses ce matin. Mais j'aimerais te dire ce matin que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la crise de COVID-19 est l'une des pires crises du 21e siècle. C'est une crise qui nous a surpris. C'est une crise qui s'est abattue sur l'humanité, sur toute la terre. Et cette crise, en quelque sorte, a touché presque toutes les nations de la terre. Étant une crise sanitaire, cette crise a provoqué des crises politiques, des crises économiques, des crises financières, des crises sociales. Même dans nos églises, nos activités sont bousculées. Nos activités sont touchées parce qu'il y a une crise qui sévit dans le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais dire ce matin que Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant, lui-même, il a connu et vécu des crises. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à Dieu. Dieu a connu des crises. Dieu a vécu des crises. Dans Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, la Bible nous dit quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit qu'il a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ils furent précipités
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ce passage, certains enseignants de la Bible appellent cela le premier coup d'État raté. Alléluia. Un archange appelé Lucifer, séduisant certains anges, le tiers des anges au ciel, a décidé de détrôner le Dieu Tout-Puissant et prendre sa place. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, la Bible ne nous a pas dit que Dieu s'est engagé directement dans ce combat. Parce que c'est un combat de bas niveau. Alléluia. C'est un combat entre les archanges et les anges. Dieu est tout puissant pour se rabaisser et s'engager dans ce combat. La Bible nous dit que l'archange Michel et ses anges ont combattu. Dieu s'est dit que ce problème, c'est une affaire des anges et des archanges. Parce que si Dieu lui-même s'engageait dans ce combat, il allait broyer Satan et ses anges comme un froment. Dieu a toujours dit et rappelé qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'avant lui n'a été point formé de Dieu. Après lui, il n'en aura point. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alléluia. Dieu, l'archange Michel avec ses anges ont précipité Satan sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai toujours l'habitude de dire que nous ne mesurons pas nos ennemis par rapport à nous-mêmes, mais nous mesurons nos ennemis par rapport à la grandeur de notre Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nos ennemis ne peuvent pas tenir devant la puissance de Dieu, devant la grandeur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu puissant. Dieu a encore connu une seconde crise, et cette crise a eu lieu sur la terre. Quand Dieu a créé la terre, pour Dieu, Dieu voulait faire de la terre une colonie du royaume des cieux. Pour impacter la terre avec sa puissance, impacter la terre avec ses lois, impacter la terre avec ses valeurs, impacter la terre avec ses vertus, impacter la terre avec sa moralité. Mais le combat qui a commencé au ciel s'est déplacé sur la terre. Le diable dit le combat n'est pas encore fini. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse 3, quand Satan prenait la forme du serpent, a séduit Adam et Ève. Et Adam et Ève ont péché contre Dieu. En quelque sorte, c'est une seconde crise que Dieu a encore connue. Son plan, c'est de faire de la terre un endroit merveilleux, où son règne est absolu, où sa loi est honorée, que sa parole est honorée. Mais à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ce plan a été chamboulé. Et cette crise a continué de génération en génération. Et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons cette crise dans notre génération. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas étranger aux crises. Dieu qui connaît la fin à partir du début, qui connaît le début à partir de la fin, c'est qu'il aura une crise sanitaire à partir de 2019. Donc, sa préoccupation, c'est de protéger son peuple. C'est de garder son peuple. C'est d'encourager son peuple d'aller de l'avant, quels que soient les temps et les circonstances. Dans Genèse 12, à partir de verset 1, Dieu s'est trouvé un ami qui s'appelle Abraham. Abraham est devenu l'ami de Dieu parce qu'il obéissait à la voix de Dieu, parce qu'il marchait dans les voies du Seigneur. Mais un jour, Dieu lui a annoncé une nouvelle que j'appelle une mauvaise nouvelle,
est une bonne nouvelle. Alléluia. Dans Genèse 15, verset 13 à 15, Dieu a dit quelque chose de très important à son ami Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Dieu dit à son ami Abraham, « Quand tu auras une heureuse vieillesse, et tu mourras. Ben après toi, il y aura quelque chose qui va se passer. Ben, ce qui est intéressant, notre Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Ben, Dieu a fait une promesse à Abraham. Ben, Dieu tient encore cette promesse, même après la mort d'Abraham. Bien-aimé, quand je te fais une promesse et que je décède, ce n'est pas sûr que cette promesse, je peux l'accomplir. Mais que Dieu me fait une promesse, que je décède ou pas, Dieu va honorer sa parole. Dieu va honorer sa promesse. Il dit, mon ami Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Ils seront opprimés, ils seront brutalisés, ils seront asservis. Ben moi, Dieu, parce que tu as marché dans mes voies et dans mes sentiers, je n'oublierai pas ta descendance. Je m'élèverai, je délivrerai ta descendance de ce pays étranger. Ben, ils ne sortiront pas les mains vides. Ils sortiront avec de grandes richesses. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quels que soient les problèmes que nous traversons, quelles que soient les difficultés, Dieu est avec nous pour nous prendre et nous introduire dans la bénédiction et dans la richesse. Après la mort, des années après la mort d'Abraham, le moment est venu pour que Dieu délivre son peuple. Il s'est trouvé un homme qui s'appelle Moïse. Et dans Exode 3, Dieu a parlé à Moïse. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce temps, Moïse faisait perdre les troupeaux de son beau-père. Moïse avait 80 ans. Donc, à partir de 80 ans, tout homme prépare sa mort, rédige son testament, parce qu'il sait que la mort peut frapper la porte à tout moment. Je ne crois pas que dans la pensée de Moïse, il pensait encore jouer un grand rôle sur la terre. Ce que Moïse a oublié, c'est qu'il était dans l'agenda de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais te dire ce matin que tu es et tu demeures dans l'agenda de Dieu. Dieu a dit à Moïse, « J'étais choisi pour faire sortir le peuple d'Israël de l'oppression en Égypte, selon la promesse que j'ai faite à Abraham. Mais je sais quelque chose, que les Égyptiens ne vous laissera pas partir si ce n'est pas une main puissante. J'étendrai mes mains sur l'Égypte. En ce temps, l'Égypte était comme les États-Unis, la première puissance économique et militaire de la terre. Donc, ce n'est pas facile de faire sortir un peuple qui soutenait économiquement, qui soutenait financièrement l'économie et les finances de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons le livre d'Exode, Dieu a intervenu en Égypte. Il a frappé l'Égypte de toutes sortes de miracles, de toutes sortes de prodiges. Et Pharaon n'avait aucun choix que de laisser partir le peuple d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs en Christ,
Moïse se retrouve à la tête d'un peuple qui, pendant 400 ans, ont connu seulement l'oppression, ont connu seulement la réprimande, ont connu seulement le travail forcé. Donc Dieu doit faire de ce peuple un peuple guerrier. Un peuple qui n'a jamais combattu. Dieu doit faire de ce peuple un peuple guerrier. Parce que Dieu a un objectif, c'est de conduire ce peuple sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, Dieu doit réconforter le peuple. Dieu doit parler au leader. Dieu doit encourager le leader parce que le combat n'est pas encore fini. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui on nous parle du COVID-19. Ben, nous ne savons pas les crises qui sont devant nous. Dès aujourd'hui, la responsabilité de Dieu, c'est de nous encourager, c'est de nous réconforter. Parce que la marche est encore longue. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, là où tu te trouves aujourd'hui, je ne crois pas que tu as déjà arrivé sur ta terre promise. Parce que la terre promise, Dieu dit que c'est là où coule le lait et le miel. C'est une terre d'abondance. Le désir de Dieu, c'est que nous nous trouvons dans une situation d'abondance, de prospérité, d'élévation et de gloire. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu dit dans Deutéronome que lui-même, il sera avec le peuple. Lui-même, il marchera avec le peuple. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est une très bonne nouvelle. De recevoir la promesse de Dieu, que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec toi dans ta maison. Que Dieu est avec toi dans tes voyages. Que Dieu est avec toi dans toutes tes entreprises. J'ai toujours l'habitude de dire que ce qui fait peur aux sorciers, ce qui fait peur au monde des ténèbres, c'est cette chose qui marche avec nous. Les sorciers ont peur de la présence de Dieu. Les sorciers ont peur de la puissance de Dieu qui nous accompagne. Et c'est cette présence, c'est cette puissance qui marche avec nous. Alléluia. Dieu est descendu. Quand le peuple est sorti d'Égypte, il y a des nations puissantes, des nations géantes qui ont commencé par s'attaquer au peuple. Mais Dieu a été le bouclier de son peuple. Dieu a été la forteresse de son peuple. Dieu a chassé des grandes nations devant son peuple. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Quand Dieu te dit « Je suis avec toi », bien-aimé, crois qu'il est avec toi. Quand Dieu dit qu'il marche avec toi, crois qu'il marche avec toi. Quand Dieu dit que sa bénédiction t'accompagne, crois que les bénédictions de Dieu t'accompagnent. Quand Moïse est mort, Dieu a suscité un jeune leader appelé Josué. Dieu sait que le combat ne sera pas facile. Dieu est encore apparu à Josué pour l'encourager, pour le fortifier. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est ce que nous faisons dans nos églises. L'une des responsabilités du pasteur ou du prédicateur, à un certain moment, c'est d'encourager le peuple de Dieu. C'est encourager les hommes, encourager les femmes, encourager les jeunes gens, encourager les jeunes filles. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne sans combat n'existe pas. La vie chrétienne sans problème n'existe pas. La vie problème sans obstacle n'existe pas. Si nous croyons que la vie chrétienne est sans problème, sans obstacle, sans difficulté, nous ne pourrons pas faire route avec Jésus. Dès chaque fois, Dieu, à travers sa parole, nous réconforte, nous encourage, nous demande d'aller de l'avant, nous demande de persévérer.
Dieu a apparu à Josué. Il lui a dit quelque chose de très intéressant. Dans Josué 1, verset 5 à 6. Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Amen. Dieu dit à Josué, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras sur la terre. » Telles promesses merveilleuses. Dieu te dit ce matin, quel que soit le nombre de tes ennemis, quelle que soit la grandeur de tes ennemis, quelle que soit la puissance de tes ennemis ne tiendront point devant toi tant que tu vivras sur cette terre. Dieu dit, quelle que soit la puissance de l'ennemi, lui, Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Quel que soit le vent et la tempête, ce Dieu sera avec toi. Telle promesse merveilleuse. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Aucune situation de la vie ne tiendra. Aucun problème ne tiendra. J'ai toujours l'habitude de dire que tout problème sur la terre a une date d'expiration. Alléluia. Seul Dieu est éternel. Tout problème a une date d'expiration. Toute maladie a une date d'expiration. Amen. Donc, s'il y a une maladie dans ton corps, j'aimerais te dire ce matin que cette maladie en train de faire, cette maladie est illégale. Quand en Europe, quand quelqu'un est illégal, on l'arrête, on le lie, on le retourne dans son pays. Donc, notre responsabilité, c'est de dire à cette maladie qui joue, il fait un travail illégal dans le corps. Cette maladie doit être liée et chassée hors du corps. Parce que la maladie a une date d'expiration. Bien-aimés frères et sœurs, au cours de ma marche avec le Seigneur, j'ai rencontré des problèmes. J'ai connu des moments difficiles. En ces temps, je ne pensais pas que ces problèmes avaient une date d'expiration. Mais aujourd'hui, la plupart de ces problèmes ont disparu. Pourquoi? Parce qu'aucun problème ne peut tenir devant un enfant de Dieu éternellement. Alléluia. Quand Dieu a décidé de marcher avec son peuple, Dieu a fait descendre sa puissance et sa gloire. Et quand ils sont arrivés devant le fleuve Jourdain, et quand la puissance de Dieu est descendue, le peuple a marché à sec à travers le Jourdain. Quand ils sont arrivés devant les murs de Jéricho, et quand la puissance de ce Dieu est descendue, les murs de Jéricho se sont écroulés devant le peuple d'Israël. Alléluia. Quand j'ai commencé par comprendre ces choses, mes ennemis ne m'intimident plus. Parce que comme je l'ai dit, je ne les mesure pas par rapport à ma grandeur ou à ma puissance. Je les mesure par rapport à la grandeur et la puissance de mon Dieu. Aucun ennemi ne peut défaire Dieu. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Dieu marcha devant son peuple, a chassé des nations puissantes et il a établi son peuple sur la terre promise. Une terre là où coule le lait et le miel. Une terre d'abondance. Et je suis convaincu que c'est là où Dieu veut nous amener. Nous arrivons à un niveau de notre vie où il n'y a plus de limitations. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Alléluia. Dieu est avec son peuple. Quel que soit ce que nous vivons en ces temps, Dieu n'abandonne pas son peuple.
Dieu est avec son peuple. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, même notre Seigneur Jésus-Christ a connu des moments difficiles quand il était sur la terre. Et paradoxalement, lui, son problème a commencé dès sa naissance. Alléluia. Nous rencontrons des problèmes parfois quand nous grandissons. Dès le Seigneur Jésus, son problème a commencé dès sa naissance. La Bible nous dit dans Matthieu 2 que dès que Jésus-Christ est né, les anges ont vu son étoile qui est en train de briller. Cette étoile symbolise qu'un roi est né. Dès les anges ont vu l'étoile de Jésus, la Bible nous dit qu'ils sont venus à Jérusalem. Ils sont venus directement voir le roi qui est assis sur le trône. Paul dit, où est le roi des Juifs qui est né? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce n'est pas une nouvelle qu'on annonce à un roi qui est assis sur un trône. Parce que ce qui est étrange, quand nous lisons la version anglaise, les mages sont appelés wise men, les sages. Mais je ne crois pas que ça, c'est un acte de sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas aller annoncer un roi. Tu es en exercice. Tu es un autre roi et un aîné. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Ça veut dire qu'il doit être destitué de son trône. Ça veut dire que ce roi doit être exécuté pour que l'autre prenne la place. Donc, les mages n'étaient pas des sages. Ce n'est pas une nouvelle qu'on annonce à un roi. Ben, vous allez lire dans Matthieu 2. Quand le roi Hérode a entendu ce message, sa réaction a été violente. Il dit qu'il est le seul roi assis sur le trône en Israël. S'il y a un autre roi, ce roi doit périr. Ce roi doit mourir. Parce que le roi qui doit prendre sa place doit naître dans sa maison. Et quand il n'est pas roi, il naît comme un prince ou une princesse. Donc, il y a un complot ici. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand nous lisons Matthieu 2, la réaction de Hérode a été très violente. Il a dit aux mages, allez voir là où est né ce roi. Quand vous allez le repérer, venez me le dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Bien-aimé, c'était une ruse. Ben, je suis sûr, la Bible nous dit que par un ange, Dieu a apparu au mage. Paul a dit de ne pas retourner vers Hérode, ben de prendre un autre chemin. Sûrement, si Dieu n'avait pas apparu au mage, ils iront dire à Hérode. Alléluia. Dieu a apparu. Est apparu, la Bible dit, Dieu est apparu à Joseph. Il dit, Joseph, prends la petite enfant et fuis en Israël. Parce que Hérode cherchait à tuer le petit enfant. Quand Hérode savait qu'il a été joué par les mages, la Bible nous dit qu'il a envoyé ses soldats. Ils ont tué tous les enfants de 2 ans en dessous. À Bethléem et sur tout son territoire. Parce que les sacrificateurs, les scribes lui ont dit qu'il y a une prophétie qui dit qu'un roi naîtra à Bethléem. Il a exécuté les enfants. Ben, nous bénissons le Seigneur parce que notre Dieu prend toujours le devant. Dieu savait la réaction d'Hérode. Parce qu'il sait que l'annonce des mains n'était pas une bonne annonce. La réaction d'Hérode serait violente. Dieu a permis à son fils de quitter Israël pour aller se réfugier en Égypte. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Dans des moments de crise, parfois nous pouvons nous relocaliser. Alléluia. Pas nécessairement changer de ville ou de pays. Mais dans le travail que nous faisons, nous pouvons nous relocaliser. Dans nos affaires, nous pouvons commencer une nouvelle chose. Vous savez, une crise, dans une crise, nous devons savoir ce que nous pouvons faire dans cette crise-là.
Notre Dieu est un grand stratège. Et quand nous marchons avec lui, il va nous révéler des grandes stratégies. Il a fait déplacer son fils pour que cette crise puisse se passer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quand le Seigneur Jésus a commencé son ministère, le ministère n'a pas été facile pour le Seigneur. Il a connu des moments difficiles. Plusieurs fois, ils ont voulu le lapider. Alléluia. Il a échappé à la mort. On voulait le précipiter du haut d'une montagne. Il était tout le temps exposé à la destruction et à la mort. Mais son Père est toujours avec lui. Donc la crise que nous vivons n'est pas étrangère à Dieu. Dieu lui-même, il a connu des crises. Son Fils, même sur la terre, a connu des crises. Alléluia. Les disciples, sûrement, les disciples en marchant avec Jésus ont vu comment c'est difficile de faire cette œuvre. Exposé au danger, exposé à la destruction, exposé à la mort. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que des enfants de Dieu, quand nous comprenons l'œuvre, la marche avec Jésus de cette façon, nous allons toujours redoubler de courage. Comme je disais, une vie chrétienne sans difficulté n'existe pas. Une vie chrétienne sans obstacle n'existe pas. Une vie chrétienne sans challenge n'existe pas. Dites-moi que vous connaissez une personne qui n'a pas de problème, qui n'a pas de difficulté, qui ne rencontre aucun obstacle dans la vie. Je vous dirai que cette personne se trouve à la morgue et cette personne sera enterrée demain. Alléluia. Seul celui qui dort à la mort en ce jour-ci ne rencontre aucun problème, ne rencontre aucune difficulté. Et je peux encore aller loin pour dire que si Satan doit attaquer quelqu'un, ça doit être toi et moi. Alléluia. Parce que Satan a péché, Dieu ne l'a pas pardonné. Nous avons péché, Dieu nous a pardonné. Donc cela suscite la colère de Satan. Il est déterminé à nous détruire par tous les moyens. Et secondo, Satan ne s'attaque pas à tout le monde. Si Satan s'attaque à toi, c'est parce que tu as en toi quelque chose de valeur. Tu as en toi quelque chose de précieux. Tu as en toi quelque chose de merveilleux. Tu transportes la présence de Dieu. Tu transportes la puissance de Dieu. Tu transportes la gloire de Dieu. Alléluia. Et si tu es ici où tu entends le son de ma voix, et si tu me dis que tu n'as aucun problème, j'aimerais te dire que si tu n'as pas de problème, c'est parce que tu es oublié par Dieu et Satan t'a rejeté. Alléluia. Satan ne perd pas son temps. Il s'attaque à des gens qui ont de la valeur. Il s'attaque à des gens qui transportent l'onction et la puissance de Dieu. Donc, cette crise ne doit pas nous décourager. Nous devons redoubler d'efforts dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche avec Dieu. Parce que, crise ou pas crise, Dieu a un plan merveilleux pour nous. Dieu a un plan parfait pour nous. Son but, c'est de nous restaurer, c'est de nous délivrer, c'est de nous donner de grandes victoires. Dans Jean chapitre 14, verset 1, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Les disciples ont vu comment l'œuvre de Dieu est difficile. Les disciples ont vu comment le maître est persécuté. Les disciples ont vu comment le maître échappe à la mort. Et d'une manière ou d'une autre,
Ils sont en train de se dire, tant le maître ne sera pas là, nous aussi nous allons traverser les mêmes situations. Dans Jésus connaissant leur cœur, connaissant l'agitation de leur cœur, leur dit, bien-aimés, mes bien-aimés, que vos cœurs ne se troublent point. En cette période de crise, as-tu perdu ton travail? Que ton cœur ne se trouble point. As-tu perdu tes affaires? Que ton cœur ne se trouble point. As-tu connu des moments difficiles? Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Jésus. Crois en Dieu. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu puissant qui change les temps et les circonstances, qui rend possible l'impossible, qui crée des voies là où des voies n'existent pas. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne s'alarme point. J'aime beaucoup le thème de l'année de notre Église, la persévérance. Dieu a vraiment inspiré ce thème. Parce que nous voulons ou pas, nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons persévérer dans nos activités. Nous devons persévérer dans tout ce que nous faisons pour que Dieu puisse honorer sa parole dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, je te le demande encore, fortifie-toi, demeure fort, persévère dans l'œuvre de Dieu, persévère dans tes activités, persévère dans ton travail, persévère dans tout ce que tu entreprends. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le livre de Juges, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Pour Gédéon, il n'était qu'un petit enfant dans la maison de son père. Mais Dieu voit en Gédéon un vaillant héros. Alléluia. Vous savez, j'ai constaté quelque chose. Quand nous sommes acculés par des problèmes, quand nous sommes poursuivis par les difficultés, quand on a tendance de se rabaisser, on a tendance de se diminuer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Gédéon se voyait en lui-même comme un petit enfant dans sa maison. Je ne sais pas comment tu te vois. Je ne sais pas comment on te voit dans ta maison ou dans ta famille. Mais j'aimerais te dire ce matin, que tu es un vaillant héros, que tu es un homme puissant, que tu es une femme puissante. Le Potiphar, l'officier égyptien, voyait en Joseph un simple employé dans sa maison. Mais Dieu voyait en Joseph le premier ministre en Égypte. Alléluia. Dans la maison de David, le père de David voyait David comme un jeune berger. Mais Dieu voyait en David le deuxième roi en Israël. Dans le livre d'Esther, le roi voyait Esther comme son épouse, comme la reine dans son palais. Mais Dieu voyait en Esther une femme puissante qui peut jeûner et prier et la puissance de Dieu va descendre pour changer le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ma prière de ce jour est que ne te décourage point. Fortifie-toi dans le Seigneur. Dieu a un plan merveilleux pour son peuple. Dans cette période de crise, dans cette période d'incertitude, dans cette période où nous ne savons même pas comment 2021 va terminer, mais Dieu déjà en janvier commence par nous parler, pour nous dire, mon fils,
Ma fille, sois courageux, sois courageuse, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Telles les promesses que je t'ai faites, telles ces promesses, quels que soient les temps et les circonstances, quel que soit le vent et la tempête, ces promesses s'accompliront. Ces promesses s'accompliront par le nom de Jésus-Christ. Si Dieu, par sa puissance, a établi son peuple sur la terre promise, ce Dieu que nous servons, comme je le dis, ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu est le même hier. Ce Dieu est le même aujourd'hui. Ce Dieu est le même éternellement. Ce qu'il demande à toi et moi, c'est que nous redoublons de courage, que nous nous fortifions dans le Seigneur, que nous marchons avec lui dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté. Et ce Dieu qui est fidèle va confirmer ses bénédictions, va confirmer ses promesses, va confirmer sa parole dans nos vies. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Mais le Dieu que nous servons est au milieu de nous. Je ne sais pas tes attentes ce matin. Mais nous allons demander à ce Dieu, dont le pouvoir est un pouvoir absolu, dont le pouvoir n'a de limite ni de comparaison, dont le pouvoir gouverne de génération en génération, dont le pouvoir guérit toute maladie et toute infirmité, dont le pouvoir rend possible l'impossible. Nous allons demander à ce Dieu ce matin d'intervenir dans nos vies, d'intervenir dans nos familles, d'intervenir dans nos affaires, d'intervenir dans nos finances, d'intervenir dans toutes nos entreprises. Pour terminer, Dieu, quand il a apparu à Moïse en Égypte, elle a apparu à Moïse, il disait à Moïse, « Que je t'envoie délivrer le peuple d'Israël. » Mais je sais que le roi Pharaon, le Pharaon ne vous laissera pas partir, mais si ce n'est pas une main puissante. Exode 3, 19. Mais Dieu dit qu'il va étendre sa main. Il va frapper l'Égypte de toutes sortes de miracles et de prodiges. Et il va laisser mon peuple partir. Ce matin, nous allons nous lever. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main puissante sur nous. Cette main qu'il a utilisée en Égypte, que ce grand Dieu se lève, qu'il étende cette main sur nous, que cet Dieu accomplisse des miracles, que ce Dieu accomplisse des prodiges dans nos vies. Que tu sois ici à l'église, que tu sois chez toi à la maison, ou partout où tu te trouves, j'aimerais te dire ce matin, rien ne limite la puissance de Dieu. Aucune frontière ne limite la puissance de Dieu. Aucun obstacle ne limite la puissance de Dieu. Que tu sois malade à l'hôpital ou sur ton lit à la maison, nous allons prier d'ici. La puissance de Dieu va te trouver. La puissance de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va te guérir. La puissance de Dieu va te restaurer. Par le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu éternel. Tu changes les temps et les circonstances. Tu rends possible l'impossible. Tu crées des voies là où des voies n'existent pas. Éteins ta main puissante. C'est la vie de mon frère. C'est la vie de ma soeur. C'est cette famille. C'est cette personne malade. Éteins ta main puissante. Qu'il se fasse des miracles. Qu'il se fasse des prodiges. Qu'il se fasse des guérisons, que l'impossible devienne possible, par le nom de Jésus. Éteins ta puissante main,
Cire ce foyer, cire cette famille, apaise le vent, apaise la tempête, par le nom de Jésus. Nous prions pour les malades dans l'église, dans nos maisons, dans les hôpitaux. Éteins ta puissante main, Père. Guéris les malades, délivre au Père, restaure au Père, par le nom de Jésus-Christ. Père céleste, tu as fait la promesse d'être avec nous, de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser. Marche devant ton peuple, brise les verrous de fer, brise les portes d'airain, donne-nous des richesses enfouies, donne-nous des trésors cachés dans cette période de crise, par le nom de Jésus-Christ. Donne la victoire à ton peuple. Accorde la délivrance à ton peuple. Délivre ton peuple. Guéris ton peuple. Restaure ton peuple. T'ouvre de grandes portes de bénédiction. Par le nom de Jésus-Christ. Chantons ce cantique qui dit: Yahweh n'habite qu'à moi, Sembola le Bokonayo, Bato Bambonayango. Bakombe sa tembona, oh Yahweh, Yahweh, t'habite à moi, c'est bon là, le bon Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Persévérons dans le Seigneur. Persévérons dans l'œuvre du Seigneur. Persévérons dans toutes nos entreprises. L'Éternel avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il nous conduira sûrement sur la terre promise. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dieu, te rendons grâce. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Te bénissons, Seigneur, pour le message que tu as envoyé aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu as encore daigné réconforter ton peuple, Seigneur. Tu as encore redonné une espérance, tu nous as encore revigoré, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce jour, Seigneur, de manière puissante. Merci pour cette parole que tu as déposée sur son cœur, Seigneur, et qui nous a transmise. Seigneur, nous recevons véritablement, nous recevons de toi ce que tu nous as donné. Père, je prie que rien ne puisse voler ce que tu as semé dans les cœurs des uns et des autres. Merci Seigneur pour cette assurance, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci pour ces révélations, pour cette lumière. Que ton nom soit béni. Nous prions, Seigneur, que ton serviteur soit comblé en tout point, Seigneur Dieu. Que tous les domaines de sa vie, Seigneur, soient vraiment, oh Dieu, trouve leur paix en toi, Seigneur, leur joie en toi, Seigneur, tous les domaines de sa vie, Seigneur, qu'ils puissent trouver réponse à toutes ses attentes, à toutes ses questions. Merci, Seigneur, d'être le Adonai Jiré pour lui, Seigneur. Merci, Seigneur, de le fortifier, de lui inspirer encore des paroles pour qu'il vienne encore bénir ton peuple prochainement. À toi la gloire, à toi l'honneur pour tous les siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avançons dans notre programme d'aujourd'hui. Nous allons apporter nos offrandes, nous allons préparer nos offrandes là où nous sommes à la maison, que nous puissions, voilà, comme il est souvent recommandé, que nous puissions prendre nos smartphones, nous prenons nos applications mobiles pour pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous rappelons toujours que nous sommes, si nous ne vivions pas dans ce monde, nous n'aurions pas besoin d'argent. Voilà, mais c'est ce qui est utilisé dans ce monde pour acquérir la moindre chose. C'est comme ça. Et nous avons besoin d'argent pour pouvoir le faire, pour pouvoir continuer à faire fonctionner l'Église, même pour que nous puissions continuer à diffuser ces programmes en ligne. Il faut évidemment de l'argent, il faut des subsides, il faut acheter du matériel, il faut entretenir ce matériel. Et tout cela coûte de l'argent, raison pour laquelle ce n'est certainement pas pour enrichir un être humain, mais c'est vraiment pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donc je vous encourage, je nous encourage à continuer à soutenir l'œuvre de Dieu avec notre argent aussi. Pas seulement par nos prières, mais le Seigneur nous inspire les prières, mais nous pousse aussi à mettre la main à la poche et à partager. Je pense que, et à soutenir, je pense qu'en ce moment, on a projeté le compte de l'Église est projeté. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre note et à faire un virement pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous écrivez simplement offrande ou don, voilà, simplement don à l'Église. Voilà, nous allons chanter avec puits d'adoration pour pouvoir justement, pour ce moment d'offrande. Et pendant que vous êtes en train de faire votre virement, vous qui êtes à la maison, levez-vous et dansez pour que ce soit dans la joie que vous le fassiez, que ce ne soit pas une contrainte, ce n'est pas en murmurant, mais c'est véritablement une grâce que Dieu nous fait de pouvoir participer à son œuvre. Alors nous le faisons avec joie. Amen. Voilà, allons-y. Oh,
chantons Alléluia. Tout le monde debout, levez les mains et glorifiez le nom de Jésus. Tout le monde debout.
Dieu, il est sans nuée. Bénissez, 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 bénissez. Oh, nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, même le peu que nous sommes ici, surtout à la maison. Acclamez le Seigneur et poussez des cris de joie. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. Amen. Merci pour ces moments précieux, Seigneur. Merci pour ces moments précieux, Seigneur. Merci pour la joie que tu déposes dans nos cœurs. Cette joie, Seigneur, d'apporter nos dîmes, nos offrandes, Seigneur, pour faire avancer ton œuvre, Seigneur, d'être des co-ouvriers avec toi, Seigneur. Merci. Merci Seigneur, des co-héritiers avec toi Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as donné aux uns et aux autres Seigneur et ce que nous t'avons apporté, nous te prions de l'agréer Seigneur, que tu puisses multiplier comme tu as multiplié le pain et les poissons. Seigneur, merci et que ton œuvre aille de l'avant et pourvoie aussi aux besoins de ceux qui ont le cœur pour te donner Seigneur, mais qui manquent véritablement de quoi apporter Seigneur. Et rends-nous fidèles dans les petites choses Seigneur pour que tu puisses nous en confier des plus grandes. Nous comptons sur ta grâce, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre programme, mais il nous reste quand même les annonces à donner. Donc il y a les annonces, je pense qu'elles vont être projetées. Les essentielles sont celles que vous voyez. Nous avons notre culte tous les dimanches à partir de 10h, c'est très important. Donc soyons vraiment à l'heure, à 10h, pour que nous puissions être dans un même esprit tous ensemble. C'est important de commencer ensemble. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, du temps, on voit dans les programmes, on voit dans les vidéos ou dans le direct, c'est ça que le mot que je cherchais, nous devenons de plus en plus nombreux, plus le temps passe. Mais nous devrions être bien nombreux pour commencer ensemble, pour démarrer ensemble et pour finir ensemble. Donc ça, c'est le dimanche à partir de 10h. Pour l'instant, nous sommes évidemment en distanciel et nous faisons le culte sur YouTube. Mais pour plus tard, quand le Seigneur permettra, l'église, le culte se tient ici dans les locaux de l'église protestante baptiste La Fraternité qui se trouve sur la rue Ulens 55 à Molenbeek. Voilà, n'hésitez pas à contacter, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'église, n'hésitez pas à contacter les serviteurs de Dieu ou simplement aller sur le site de l'église qui est indiqué dans les annonces. Nous avons aussi les mardis, les cellules d'études bibliques. Ce sont des moments qui sont importants pendant lesquels nous étudions la parole de Dieu, nous pouvons poser des questions, nous pouvons aussi échanger, nous pouvons partager des témoignages. Ça se passe toujours sur Zoom pour l'instant. Nous avons aussi le jeudi notre moment de prière d'intercession. C'est ouvert à tous ceux qui veulent prier aussi. C'est important de prier les uns pour les autres. Si nous avons aussi des sujets de prière, nous pouvons les soumettre à ce moment-là. C'est à 19h aussi sur Zoom. Et tous les derniers vendredis du mois, nous avons notre veillée de prière à partir de 22h qui se passe aussi sur Zoom jusqu'à nouvel ordre. Voilà. En dehors de ça, si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de parler au serviteur de Dieu qui a apporté le message aujourd'hui, vous avez besoin de contacter l'église, n'hésitez pas, le lien lafraternité.be, epblafraternité.be, là-dessus vous trouverez toutes les informations. Voilà, ceci étant dit, je pense que tout est dit. Alors je vais inviter le serviteur de Dieu, le pasteur Siméon, le pasteur titulaire de l'église, à venir prononcer la bénédiction et le renvoi. Avant toute chose, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la journée d'hier où nous avons eu l'assemblée de l'Église et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et j'insiste encore sur le fait que tout membre de l'Église qui se dit membre doit contribuer pour que l'œuvre de Dieu avance. Vous avez tous les rapports, vous savez qu'il faut être fier en tout cas de servir Dieu, hein? Et donc quand vous venez ici par exemple le dimanche, si vous êtes sur place et si vous savez que vous n'allez pas utiliser votre application pour virer l'argent sur le compte, vous pouvez mettre directement sur, disons dans le panier, c'est pas un problème.
Les paniers sont encore là. Donc vous pouvez donner votre offrande aussi sur place. Si vous savez que vous n'allez pas virer, c'est ce qui arrive souvent. Dans la semaine, on voit que les gens qui ont viré l'argent, on ne dépasse même pas 10 personnes. Ça surprend un peu. Parfois, c'est même pas 10 personnes. Alors, les applications, on les a mises. Pourquoi ? Voilà, que le Seigneur bénisse son œuvre, que le Seigneur vous bénisse. Soyez fiers de servir Dieu. Et merci à notre bien-aimé, l'évangéliste Ebere qui a prêché, pour nous avoir encore encouragés dans la persévérance. Suivons l'exemple de ceux qui nous ont précédés, comme il l'a dit. Bénissons ton nom, tu es digne de gloire, digne de louange, ton peuple t'adore, ton peuple te loue, ton peuple te glorifie. Nous te disons merci Seigneur pour ta présence permanente au milieu de nous. Nous te disons merci Seigneur puisque par ta parole nous apprenons que tu n'abandonnes jamais ton héritage. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Quel que soit le moment difficile que nous puissions traverser, toi, tu es toujours présent. Et tu es toujours là pour nous soutenir. Merci, notre Dieu. Fais que ton Église demeure fidèle. Fais que chacun de nous demeure fidèle. Fidèle à nos engagements vis-à-vis de toi. Fidèle, Seigneur, dans ton œuvre. Fidèle dans ce monde en perdition. Merci, notre Dieu, pour ces cultes. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé aussi pour nous parler de ta part. Et maintenant, peuple de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communication et la communion du Saint-Esprit demeurent sur chacun de vous. Soyez bénis du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que dimanche prochain, nous avons Sainte-Cène. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche du mois. Nous aurons Sainte-Cène et préparez cette Sainte-Cène à la maison. Et nous aussi, sur place, pour ceux qui seront là, nous allons prendre la Sainte Cène ici, mais préparez déjà dans des maisons comme nous le faisons. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bon dimanche. Amen.